Alors, il vous arrive peut-être de vous réveiller, de vous dire qu'on vit dans un monde bizarre et absurde, et ce matin, il faut reconnaître qu'il y a au bout du monde, dans un contexte festif, au nom du divertissement, et soudain, devoir tout arrêter pour faire face à un torrent de larmes. Le Parisien a eu le temps de chambouler sa une. Il raconte comment le nageur Alain Bernard a failli monter dans l'un des hélicoptères qui se sont crashés cette nuit. Il relate le contenu du tweet du footballeur Sylvain Wiltord. Je suis triste, je tremble, je suis horrifié, je ne veux rien dire. Et il nous parle des 10 victimes, parmi lesquelles la navigatrice Florence Artaud, la nageuse Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine. Absurde et bizarre, donc voilà bien quelque chose de transversal. Alors en politique, ce qui est absurde et bizarre, c'est que Manuel Valls parle de lutter contre le Front National, mais est une attitude qui aboutit au résultat inverse. Regardez cette photo, c'est le programme du Parti Socialiste et de l'UMP, décrypté par Marine Le Pen. Proposition numéro 1, lutter contre le Front National. Proposition numéro 2, lutter contre le Front National. Proposition numéro 3, lutter contre le Front National, etc. etc. Proposition 2592, lutter contre le Front National. Alors être excessif avec le FN fait monter le FN, dit à juste titre le directeur de cabinet de Marine Le Pen ce matin dans le Figaro. Manuel Valls serait bien inspiré de lire le point de vue de Philippe Bilière qui explique qu'il faut prendre la mesure de, je cite, l'infinie publicité perverse octroyée au Front National. Il qualifie d'extravagante, de ravageuse et de contre-productive la tactique de Manuel Valls. Et alors, que dire en matière d'absurde et de bizarre de cette info dans Libération ce matin? Figurez-vous que le musée d'art moderne de Malmö a décidé d'exposer un couple de mendiants roms. Des vrais, Luca et Marcella. Ils mendiaient dans les rues, ils gagnaient 5 euros par jour et ils ont quadruplé leurs revenus. Ils sont là maintenant 2 heures par jour et ils trouvent qu'à l'intérieur, eh bien, les gens sont plus sympas. Alors pour voir l'œuvre au musée de Malmö, il faut traverser un couloir sombre et des écrans s'adressent aux visiteurs en ces termes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de donner. C'est à lire dans Libération ce matin. Absurde et bizarre, l'aventure des vacanciers belges, de certains d'entre eux en tout cas. Vous savez que de Bruxelles à La Plagne, il y a quelques centaines de kilomètres. Le problème, c'est qu'en France, il y a La Plagne et La Plagne. La Plagne en Ardiège et La Plagne dans les Alpes. Et alors, il y a 600 kilomètres entre les deux, ce qui fait que nos amis belges ont eu un petit problème de GPS et ont fait un petit détour de 1200 kilomètres. L'aventure nous est contée dans Ouest France ce matin. Absurde et bizarre, l'événement qui se prépare, la sortie de l'Apple Watch, tous les journaux en parlent. Ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est qu'il s'agit là d'un objet dont, objectivement, personne n'a besoin. Nous avons l'heure partout, nous avons l'heure dans ce studio, nous avons l'heure sur nos montres, nous avons l'heure sur tous les écrans dont nous sommes submergés. Et pourtant, eh bien, ça s'annonce comme un carton. La première montre, le premier prix, ce sera 400 euros et puis ça ira jusqu'à 11 000 euros pour le modèle en or. Et alors, moins absurde, un peu bizarre, mais surtout fascinant, les aventures du pilotage par le cerveau. Avec les progrès techniques, on peut déjà désormais transformer nos pensées en commandes. Et au printemps dernier, nous apprend le journal Les Échos ce matin, et bien des chercheurs des universités de Munich et de Berlin, installés aux commandes d'un simulateur d'avion, étaient parvenus à le piloter par la pensée. Récemment, on a même pu manœuvrer un drone par la pensée. Il n'y a eu absolument aucun accident. Et alors, évidemment, les applications sont nombreuses. On pourra, à l'avenir, et dans un avenir très proche, aider les handicapés. Par exemple, l'université de Pittsburgh aux États-Unis travaille avec un tétraplégique. Il a 2 prothèses à la place des bras et la pensée lui permet déjà, via ses prothèses, de saisir avec fluidité des balles ou des crayons fins qui sont des formes complexes habituellement pour les robots. C'est un papier de Paul Molga à lire dans Les Échos ce matin. Ça veut dire qu'il a fini. Par la pensée, j'ai fait savoir qu'il était 7h20. Vous avez reçu ma pensée? Très bien. Merci. À plus tard, Patrice. À tout à l'heure. On va s'intéresser à ce que dit Laura du Web, comme on le fait tous les jours. On a bien raison. Madame, mademoiselle, ceci vous concerne. Vous ne savez pas quoi mettre pour le mariage de votre cousine. Eh bien, écoutez, vous pouvez acheter. Non, pas acheter. Louer. C'est acheter ou louer? Louer. Louer. C'est louer. Donc, la tenue d'une internaute. Comment vous faites? Mais je viens vous voir déjà.